Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je commence cette vidéo en pleine soirée, je vous emmène avec moi. On va commencer ici par le dîner, nous allons manger au restaurant La Vue. Je voulais les partager en pleine journée, vraiment super joli, en bord de plage. Donc nous avons mangé à l'intérieur, parce que bah, les terrasses franchement elles étaient blindées. Donc là on a pris au restaurant La Vue, gratin fruits de mer, salade César, là on a pris des calamars à la romaine, après là ce sont des mojito Hawaï, kiwi, fraises, là c'est un petit menu enfant, c'est une petite pizza avec croquettes de pommes de terre, les frites, pizza 4 fromages et lasagne, voilà, à la viande hachée, voilà. Alors là, je vous reprends du coup le lendemain matin, direction la piscine. C'est une nouvelle piscine que je viens, enfin une nouvelle piscine, piscine que je viens de découvrir grâce à une amie. Sur Tanger, vous voyez, elle est dans les petites ruelles, c'est incroyable. On a une super belle vue de la mer. Voilà, donc c'est le Miramont Resort. Et c'est un camping en fait, vous pouvez venir vous installer si vous êtes en camping. Vraiment, c'est super joli. On a la vue sur la mer, magnifique. Je pense qu'à l'intérieur on verra mieux. Donc voilà, c'est le Miramont Resort. Je vous en dis un peu plus à l'intérieur. Oh, franchement, c'est super beau. Regardez-moi ça. Magnifique, vraiment. Je vais vous dire aussi hein, les tarifs des entrées. Je crois que c'est 210 dirhams, on m'a dit, mais on verra. Alors je vous montre un petit peu comment c'est. C'est vraiment super beau. Donc l'entrée c'est 150 dirhams pour les adultes. Enfants aussi, mais après ma fille de 5 ans c'était gratuit. Donc pour les petits c'est gratuit. Il y a une piscine ici, elle a l'air profonde. Là il y a une autre descente, on en retrouve une deuxième et celle-ci on a accès. Enfin, on a accès. On a une vue sur la mer, vraiment top. J'ai rien testé encore, mais je vous dis juste. Voilà. Ensuite, ici, on a celle-ci, ça c'est bien parce que en fait vous avez pied, enfin, les enfants ont pied et on peut se poser ici et surveiller nos gosses quoi. Ça c'est génial. Voilà. Franchement magnifique. Alors on a profité pour déjeuner directement sur place, on a essayé de venir un petit peu plus tôt. Donc on a pris un petit déjeuner sur place, vraiment la carte elle est pas chère du tout. Du coup je suis descendue Cuba là, la troisième piscine, je sais pas montrer le monde comme ça. Donc là il y a une là-bas et franchement magnifique petite piscine là, sympa. Et on a une belle vue sur la mer, vraiment c'est super, c'est très très apaisant. Alors ensuite, nous sommes venus manger là dans la petite cabana, ils appellent ça. Super joli, on a la petite vue sur la mer. J'aime beaucoup la décoration en rotin, etc. On a, alors ici, on a pris un cocktail. Cocktail de crevettes, il y a avocat en bas. Voilà. Franchement, l'emplacement, il est sympa ici. Petit dessert chocolat, amandes. Gâteau aux amandes, franchement, il a l'air d'être trop bon. Et là, on a pris une pizza... je crois c'est il y a celle-ci au poulet, oula, pizza au poulet, et là c'est une 4 fromages je crois. Voilà.
Vous l'aurez compris, les enfants sont tous pépita. Donc voilà, bah, écoutez, on est en vacances et on essaie de faire plaisir à tout le monde. Voilà la piscine, une fois qu'elle s'est vidée, franchement, j'ai bien aimé. Donc il y a 3 piscines dans ce lieu-là. Là, en fait, ça s'est vidé, du coup, j'en profite pour vous montrer la beauté, comment c'est vraiment très très joli. Donc il y a tous ces espaces là pour bronzer et tout ça. Voilà, et là c'est un grand toboggan. Il y a 2 piscines, une là-bas, une ici. Je pense super avec un petit plongeoir là comme ça. Et de ce côté, donc il y a une autre piscine. Là il y a un petit coin pour manger. On a la vue sur la mer de l'autre côté. Et là voilà. Alors juste après, nous sommes partis faire un petit tour à la corniche. J'ai envie de vous dire, comme chaque soir, on finit toujours là-bas. Il y a pas mal de petites choses pour les enfants. Et là, on a pris, on s'est arrêté. Là, il y a un monsieur qui vendait des fruits dans une petite charrette comme ça. À savoir qu'au Maroc, il y a pas mal de personnes qui vendent. Ils vendent un petit peu de tout. Voilà, ça leur permet de faire un petit peu d'argent. Et puis, c'est vraiment pas cher. Donc là, le fruit, c'était 50 centimes le morceau. J'attends mon tour parce que là, du coup, ils font des petits pois chiches en fait, cuits à la, je crois, à la vapeur dans l'eau. Et ils mettent ça dans des petits cornets avec un peu de sel et de cumin. 2 dirhams. C'est genre 20 centimes. C'est genre des pois chiches. Voilà, avec un peu de sel et de cumin. C'est des pois chiches. C'est tout chaud. Et du cumin. Allez, aujourd'hui, hop. Bon, bah, du coup, là, on est venu à la corniche. Les enfants sont juste là. Ils sont en train de faire du poney. Donc, là, le poney, c'est 20 dirhams le tour, c'est-à-dire 2 euros. Voilà, 2 euros le tour. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Mais voilà, c'est très, très animé. Hein. Là, il est 22h. Et s'animer comme ça jusqu'à 2h, 3h du matin. Un truc de fou avec les grands, les petits. Vous voyez, il y a plein de poneys partout. Enfin, franchement, c'est l'animation préférée des enfants. Ils aiment trop. Et puis il y a des concerts, vous voyez, là-bas sur la plage. Chaque soir, il y a des chanteurs connus et tout qui viennent et qui chantent. Donc c'est vraiment cool. Enfin, je viens de m'arrêter en fait du Hanna en fait. Du Hanna comme ça sur la main. Hop. Donc ça coûte 10 dirhams, donc c'est 1 euro. Alors là, voilà, 10 dirhams, c'est 1 euro en fait, hein, le motif, enfin au niveau de la main, pour les enfants, et 15 dirhams pour le mien. Donc ma fille, elle aime beaucoup ça, moi aussi d'ailleurs. Donc j'en ai profité pour en faire. Comme je vous disais, franchement, oui, il y a plein de petites choses comme ça à vendre. Ou à faire comme là ils proposent cette prestation là, bah c'est le moment pour eux en fait de se faire un petit peu d'argent comme je vous disais, et on va retrouver comme ça en corniche pas mal de femmes qui proposent cette prestation là. Voilà, donc elles ont déjà le nez de près, elles ont des photos si vous souhaitez choisir un modèle. Moi je les laissais faire, elles étaient très gentilles d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup on a fait un petit peu des nez, moi et ma fille. Du coup, après, nous avons fini au petit resto qui est en bord de mer, là, à la corniche, c'est le Panorama. J'ai pris un jus d'amande. Voilà, d'amande et jus d'orange pour les enfants. Et on a fini par manger sur place, directement. Et ensuite, nous sommes rentrés à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye.